sur l'enveloppe de 250 milliards qui a été annoncée de manière globale, il y a 225 milliards qui ne sont pas un budget de l'État, qui sont un mécanisme que nous avons négocié avec les banques pour financer la trésorerie des entreprises. Le Covid-19, c'est 25 milliards de francs CFA que l'État gabonais a mis en place pour financer ce que je vous ai indiqué tout à l'heure. C'est pour ça que cet exercice est bien, parce qu'il déplace le débat de la rue pour l'amener au niveau des responsables où nous sommes. C'est ça la vraie information. 25 milliards. À ces 25 milliards, nous ajoutons les 4 milliards que le président avait donnés au mois de décembre, avant. Ça fait 29 milliards de francs CFA. Pour nous qui avons appris au village, à l'école publique d'un camp dans le canton Wolleux, la maîtresse Marie-Louise Menguet nous enseignait que économie égale gain moins dépenses. Vous-même, vous avez dit que vous allez décaisser 250 milliards pour lutter contre cette pandémie. Combien exactement vous avez déjà utilisé et combien reste-t-il? Nous avons besoin de cette information. Pourquoi? Dans quelques semaines, les députés que nous sommes, nous irons faire des comptes rendus parlementaires auprès des populations. Et afin de mieux les édifier, il est important que vous mettiez à notre disposition une copie du récapitulatif de ces dépenses.